on poursuit le train. Les orphelins. Plus vite, Pile-Poil. Nous devons sauver ce train et les orphelins. Depuis que tu m'as battu la dernière fois qu'on s'est vu. Assez discuté, je vais piétiner un coup de sabot. Je te laisserai jamais dominer le monde, docteur Côte de Bord. Approche, Freddy. Je vois ton avenir, et c'est une catastrophe ferroviaire. Voilà le train! Yeah, Pile-Poil! Je vais faire diversion pendant que tu sauveras les orphelins. Bon travail, Buzz. Chose qui devrait te plaire. Il y a une chose que je déteste, c'est les héros obstinés. Ni aujourd'hui, ni jamais.
Si tu restais en place. Et ainsi, le diabolique docteur Comte de Port fut vaincu. Et le train des orphelins arriva sans encombre à destination. Attends une seconde. Tu as un vaisseau spatial géant et une flotte de drones d'assaut, et tu te fais semer par un cow-boy à cheval? C'est que le bandeau avait diminué ma perception des distances. Et pourtant, mais c'est la faute de son bandeau. Enfin bref, reprenons notre plateau de jeu. Si je puis me permettre, ce plateau est impressionnant. J'ai du mal à croire que tu l'aies construit. Oui, alors je voulais créer une carte où figuraient tous les points de repère importants que nous avons croisés durant notre passionnante excursion. Hey, et maintenant, on retourne à la maison. Fais attention, Rex, tu viens de faire tomber Al de la ferme aux jouets dans la mare. Oh, pardon, hey, je suis espèce désolé. De tête de linotte, je vais devoir redessiner toute la ville. Pardonne-moi, on est dans quelle zone déjà? Oh, tu as l'œil, mon petit ami. Ça, c'est une partie spéciale du jeu qui s'appelle Western Woody, où tu peux te promener, faire régner la justice, car tu incarnes un shérif du Far West. Trop fort! On peut aller là-bas? C'est vrai? Allons-y! Uniquement si un lézard sans cervelle promet de ne pas tout casser sur son passage. Non, je vais éviter, je te le promets!
got a friend in me. You got a friend in me. Moi, le maire Bayonne, je te nomme aujourd'hui shérif de Western Woody. Mes félicitations. À toi de faire régner l'ordre et de veiller à la prospérité dans notre ville. Alors, apportez de l'or et de nouveaux jouets pour donner un bon coup de neuf. En avant, allons, en avant. Si c'est un shérif qu'il te faut, tu t'es adressé au bon jouet. Allez, allez, commençons par détruire les cabanes et par faire de la place pour de nouveaux immeubles. Quand on te confie une mission, elle apparaît dans ta liste de missions. La liste de missions récapitule toutes les missions en cours. Les fiches détaillent. Là, tu vois la boussole dans le coin à droite? Elle t'indique dans quelle direction aller. Allez, mets-toi en route! Travail. Tu as rempli ta mission et gagné de l'or. Et il y a encore beaucoup d'or à gagner si tu remplis d'autres missions pour les habitants de la ville. Cette balise indique qu'un jouet a une nouvelle mission à te confier. Hé, shérif, où es-tu? Ce petit gars vient d'arriver du secteur 4. J'ai bien peur que sa tête verte prenne un coup de soleil si on ne lui donne pas un chapeau. Jette-le chez le chapelier et il va entrer. Alors, tu portes des gants de boxe? Ah, oh, superbe! Tu peux habiller les habitants comme ça te chante. Hey, shérif, où es-tu? Shérif, je vais ajouter peindre les immeubles à ta liste. C'est une façon simple et rapide de donner un coup de neuf. Shérif, est-ce que je peux te parler? Je crois que Papy Pépite a besoin d'aide. Si tu lui parles, je parie qu'il te dira comment trouver plus d'or. Viens par ici!
Ça, c'est une pioche. On s'en sert pour extraire l'or de la mine. Prends-la, elle est à toi. J'en ai d'autres. L'or ici ne sert qu'à une chose, acheter des jouets. Et qui dit nouveaux jouets dit plus de missions, plus d'or et plus de rigolades. Et rassure-toi, le filon d'or n'est pas prêt de se tarir. Alors tu peux te lâcher. C'est pile poil. Tu peux filer tes éclairs et faire le trajet en deux fois moins de temps en chevauchant le cheval le plus rapide de l'Ouest. Les cabines pour Al la ferme aux jouets sont ouvertes. Entre dans cette cabine pour commander ce que tu veux chez Al la ferme aux jouets. Ah, les jouets que tu as achetés vont être livrés par la diligence et déposés sur le quai de la gare. Shérif, j'ai besoin de ton aide. Viens par ici! Il paraît que Zigzag a besoin d'un coup de main à son ranch. Yeah! 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 Voulez-vous qu'on reprenne notre récit? Yeah! Voulez-vous qu'on reprenne notre récit? Yeah! Salut, shérif. Est-ce que ça t'embêterait de ramener mes vaches dans leur enclos? Ça les amuse d'aller faire un tour et de se perdre dans la nature. Thank you.
suis content que tu sois là. Yeah! Ah, mes vaches sont vraiment dans le genre distraites. Ce serait sympa si tu rassemblais les cloches qu'elles ont semées un petit peu partout.
Ya! Voulez-vous qu'on reprenne notre récit? On poursuit le train. Les orphelins. Plus vite, pile-poil. Nous devons sauver ce train et les orphelins. Depuis que tu m'as battu la dernière fois, mon CV. Ainsi discuté, je vais te piétiner un coup de sabot. Je te laisserai jamais dominer le monde, docteur Côte de Bord. Approche, mon ami. Je vois ton avenir, et c'est une catastrophe ferroviaire. Voilà le train! Yeah, pile poil! Hey! Ho-ho!
sauveras les orphelins. Si tu restais en place.
Dites-moi que tu peux faire. Va si vite. Et ainsi, le diabolique docteur Côte de Porc fut vaincu. Et le train des orphelins arriva sans encombre à destination. Attends une seconde. Tu as un vaisseau spatial géant et une flotte de drones d'assaut, et tu te fais semer par un cow-boy à cheval? C'est que le bandeau avait diminué ma perception des distances. Et pourtant, mais c'est la faute de son bandeau. Enfin bref, reprenons notre plateau de jeu. Si je puis me permettre, ce plateau est impressionnant. J'ai du mal à croire que tu l'aies construit. Oui, alors je voulais créer une carte où figuraient tous les points de repère importants que nous avons croisés durant notre passionnante excursion. Hey, et maintenant, on retourne à la maison. Fais attention, Rage, tu viens de faire tomber Al de la ferme aux jouets dans la barre. Oh, pardon, je suis espèce désolé. De tête de linotte, je vais devoir redessiner toute la ville. Pardonne-moi, on est dans quelle zone déjà? Oh, tu as l'œil, mon petit ami. Ça, c'est une partie spéciale du jeu qui s'appelle Western Woody, où tu peux te promener, faire régner la justice, car tu incarnes un shérif du Far West. Trop fort! On peut aller là-bas? C'est vrai? Allons-y! Uniquement si un lézard sans cervelle promet de ne pas tout casser sur son passage. Non, je vais éviter, je te le promets! Moi, le maire Bayonne, je te nomme aujourd'hui shérif de Western Woody. Mes félicitations. À toi de faire régner l'ordre et de veiller à la prospérité dans notre ville. Alors, apportez de l'or et de nouveaux jouets pour donner un bon coup de neuf. En avant, allons, en avant. Si c'est un shérif qu'il te faut, tu t'es adressé aux bons jouets. Allez, allez, commençons par détruire les cabanes et par faire de la place pour de nouveaux immeubles. Quand on te confie une mission, elle apparaît dans ta liste de missions. La liste de missions récapitule toutes les missions en cours. Les fiches détaillent. Là, tu vois la boussole dans le coin à droite? Elle t'indique dans quelle direction aller. Allez, mets-toi en route! Bon travail. Tu as rempli ta mission et gagné de l'or. Et il y a encore beaucoup d'or à gagner si tu remplis d'autres missions pour les habitants de la ville. Cette balise indique qu'un jouet a une nouvelle mission à te confier. Hé, shérif, où es-tu? Ce petit gars vient d'arriver du secteur 4. J'ai bien peur que sa tête verte prenne un coup de soleil si on ne lui donne pas un chapeau. Jette-le chez le chapelier et il va entrer. Alors, tu portes des gants de boxe? Ah, superbe! Tu peux habiller les habitants comme ça te chante. Hey, shérif, où es-tu? Shérif, je vais ajouter peindre les immeubles à ta liste. C'est une façon simple et rapide de donner un coup de neuf.
personne. Shérif, est-ce que je peux te parler? Je crois que Papy Pépite a besoin d'aide. Si tu lui parles, je parie qu'il te dira comment trouver plus d'or. Viens par ici! Ça, c'est une pioche. On s'en sert pour extraire l'or de la mine. Prends-la, elle est à toi. J'en ai d'autres. L'or ici ne sert qu'à une chose, acheter des jouets. Et qui dit nouveaux jouets dit plus de missions, plus d'or et plus de rigolades. Et rassure-toi, le filon d'or n'est pas prêt de se tarir. Alors tu peux te lâcher. C'est pile poil! Tu peux filer tes éclairs et faire le trajet en deux fois moins de temps en chevauchant le cheval le plus rapide de l'Ouest. Les cabines pour Al la ferme aux jouets sont ouvertes. Entre dans cette cabine pour commander ce que tu veux chez Al la ferme aux jouets. Vont être livrés par la diligence et déposés sur le quai de la gare. Shérif, j'ai besoin de ton aide. Viens par ici! Il paraît que Zigzag a besoin d'un coup de main à son ranch. Voulez-vous qu'on reprenne notre récit? Ya! Voulez-vous qu'on reprenne notre récit? Ya! Salut, shérif. Est-ce que ça t'embêterait de ramener mes vaches dans leur enclos? Ça les amuse d'aller faire un tour et de se perdre dans la nature. Ya! Ah!
Les vaches sont vraiment dans le genre distraites. Ce serait sympa si tu rassemblais les cloches qu'elles ont semées un petit peu partout.
Voulez-vous qu'on reprenne notre récit ? On poursuit le train. Les orphelins. Plus vite, pile poil. Nous devons sauver ce train et les orphelins. Depuis que tu m'as battu la dernière fois, mon CV. Assez discuté, je vais piétiner un coup de sabot. Je te laisserai jamais dominer le monde, docteur Côte de Bord. Oh,
Travail,
base. C'est bon travail. Et le maléfique docteur Grondemort te présente ton traitement. Ça irait plus vite si tu restais en place. Et ainsi, le diabolique docteur Grondemort fut vaincu. Et le train des orphelins arriva sans encombre à destination. Attends une seconde. Tu as un vaisseau spatial géant et une flotte de drones d'assaut, et tu te fais semer par un cow-boy à cheval? C'est que le bandeau avait diminué ma perception des distances. Et pourtant, mais c'est la faute de son bandeau. Enfin bref, reprenons notre plateau de jeu. Si je puis me permettre, ce plateau est impressionnant. J'ai du mal à croire que tu l'aies construit. Oui, alors je voulais créer une carte où figuraient tous les points de repère importants que nous avons croisés durant notre passionnante excursion. Hey, et maintenant, on retourne à la maison. Fais attention, Rage, tu viens de faire tomber Al de la ferme aux jouets dans la barre. Oh, pardon, je suis espèce désolé. De tête de linotte, je vais devoir redessiner toute la ville. Pardonne-moi, on est dans quelle zone déjà? Oh, tu as l'œil, mon petit ami. Ça, c'est une partie spéciale du jeu qui s'appelle Western Woody, où tu peux te promener, faire régner la justice, car tu incarnes un shérif du Far West. Trop fort! On peut aller là-bas? C'est vrai? Allons-y! Uniquement si un lézard sans cervelle promet de ne pas tout casser sur son passage. Non, je vais éviter, je te le promets! Moi, le maire Bayonne, je te nomme aujourd'hui shérif de Western Woody. Mes félicitations. À toi de faire régner l'ordre et de veiller à la prospérité dans notre ville. Alors, apportez de l'or et de nouveaux jouets pour donner un bon coup de neuf. En avant, allons, en avant. Si c'est un shérif qu'il te faut, tu t'es adressé aux bons jouets. Allez, allez, commençons par détruire les cabanes et par faire de la place pour de nouveaux immeubles. Quand on te confie une mission, elle apparaît dans ta liste de missions. La liste de missions récapitule toutes les missions en cours. Les fiches détaillent, là, tu vois la boussole dans le coin à droite? Elle t'indique dans quelle direction aller. Allez, mets-toi en route!
bon travail. Tu as rempli ta mission et gagné de l'or. Et il y a encore beaucoup d'or à gagner si tu remplis d'autres missions pour les habitants de la ville. Cette balise indique qu'un jouet a une nouvelle mission à te confier. Hé, shérif, où es-tu ? Ce petit gars vient d'arriver du secteur 4. J'ai bien peur que sa tête verte prenne un coup de soleil si on ne lui donne pas un chapeau. Jette-le chez le chapelier et il va entrer. Alors, tu portes des gants de boxe? Oh, superbe! Tu peux habiller les habitants comme ça te chante. Hey, shérif, où es-tu? Shérif, je vais ajouter peindre les immeubles à ta liste. C'est une façon simple et rapide de donner un coup de neuf. Shérif, est-ce que je peux te parler? Je crois que Papy Pépite a besoin d'aide. Si tu lui parles, je parie qu'il te dira comment trouver plus d'or. Viens par ici! Ça, c'est une pioche. On s'en sert pour extraire l'or de la mine. Prends-la, elle est à toi. J'en ai d'autres. L'or ici ne sert qu'à une chose, acheter des jouets. Et qui dit nouveaux jouets dit plus de missions, plus d'or et plus de rigolades. Et rassure-toi, le filon d'or n'est pas prêt de se tarir. Alors tu peux te lâcher. C'est pile poil! Tu peux filer tes éclairs et faire le trajet en deux fois moins de temps en chevauchant le cheval le plus rapide de l'Ouest. Les cabines pour Al la ferme aux jouets sont ouvertes. Entre dans cette cabine pour commander ce que tu veux chez Al la ferme aux jouets. Les jouets que tu as achetés vont être livrés par la diligence et déposés sur le quai de la gare.
Sheriff, j'ai besoin de ton aide. Viens par ici! Il paraît que Zigzag a besoin d'un coup de main à son ranch. Yeah! 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 Voulez-vous qu'on reprenne notre récit? Voulez-vous qu'on reprenne notre récit? Salut, shérif. Est-ce que ça t'embêterait de ramener mes vaches dans leur enclos? Ça les amuse d'aller faire un tour et de se perdre dans la nature. Mes vaches sont vraiment dans le genre distraites. Ce serait sympa si tu rassemblais les cloches qu'elles ont semées un petit peu partout.
Viens! Yeah! Yeah!
Ya! 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 Voulez-vous qu'on reprenne notre récit? On poursuit le train. Les orphelins. Plus vite, pile-poil. Nous devons sauver ce train et les orphelins. Depuis que tu m'as battu la dernière fois, qu'on s'est vu. Ainsi discuté, je vais piétiner un coup de sabot. Je te laisserai jamais dominer le monde, Docteur Côte de Bord. Approche, Freddy. Je vois ton avenir, et c'est une catastrophe ferroviaire. Voilà le train! Ya, pile poil! C'est bon.
gaz. Si tu restais en place.
Et ainsi, le diabolique docteur Côte de Porc fut vaincu. Et le train des orphelins arriva sans encombre à destination. Attends une seconde. Tu as un vaisseau spatial géant et une flotte de drones d'assaut, et tu te fais semer par un cow-boy à cheval? C'est que le bandeau avait diminué ma perception des distances. Et pourtant, mais c'est la faute de son bandeau. Enfin bref, reprenons notre plateau de jeu. Si je puis me permettre, ce plateau est impressionnant. J'ai du mal à croire que tu l'aies construit. Oui, alors je voulais créer une carte où figuraient tous les points de repère importants que nous avons croisés durant notre passionnante excursion. Hey, et maintenant, on retourne à la maison. Fais attention, Rage, tu viens de faire tomber Al de la ferme aux jouets dans la mare. Oh, pardon, hey, je suis espèce désolé. De tête de linotte, je vais devoir redessiner toute la ville. Pardonne-moi, on est dans quelle zone déjà? Oh, tu as l'œil, mon petit ami. Ça, c'est une partie spéciale du jeu qui s'appelle Western Woody, où tu peux te promener, faire régner la justice, car tu incarnes un shérif du Far West. Trop fort! On peut aller là-bas? C'est vrai? Allons-y! Uniquement si un lézard sans cervelle promet de ne pas tout casser sur son passage. Non, je vais éviter, je te le promets!